Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Wesh équipe, bon bah j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout s'est bien passé pour vous. On va se faire la petite vidéo actualité du jeudi comme d'habitude, et puis bah c'est parti quoi. Bah ok, pour commencer cette petite vidéo actu, on va parler de Hatchit qui sort son projet ce soir à minuit, qui s'appelle La vie de Tyler. Et dedans, il y a plusieurs featurings. En gros, il a dévoilé la tracklist, tu vois. Et c'est pas vraiment des featurings, tu vois, il a appelé ça des versus. Du fait qu'en fait, il a fait une main carte et qui fait référence justement à son album. Et dedans, on a The Kush, on a Mowgli, on a Fresh La Douille et on a Isha. Et c'est 4 featurings justement qui seront présents ce soir à minuit dans son album. Donc je vous invite à être présents pour les personnes qui sont intéressées. Personnellement, je vais pas le louper. Ensuite, je tenais vraiment à vous parler de ça et je tenais à les remercier. Il y a l'émission T'as capté qui est disponible sur YouTube. Et en fait, il traite justement l'actualité rap, etc. Et pas que. C'est vraiment une émission faite justement pour la culture rap et la culture hip-hop. Centrée sur ça. Et pour le coup, je kiffe grave le concept, tu vois. Et c'est pour ça que j'en parle en vidéo. Et en plus de ça, hier dans l'épisode 2, il y a une petite mention au moment justement des flammes. Ils ont parlé de moi. Et ils ont parlé de moi et de Koutan Kinte. Parce qu'en gros, ils comprenaient pas pourquoi nous, on n'avait pas été sélectionnés pour justement, donner nos avis sur en tant que jury, tu vois, t'as capté. En gros, ça a fait polémique et justement on m'a envoyé en privé. Et je tenais vraiment à vous en parler puisque pour le coup j'ai grave apprécié le passage. Et je tiens à préciser qu'il y a plusieurs personnes qui ont été oubliées dans les votes. Il y a Chris de Iconic, il y a Génération, on a Sinox TV qui a été oublié, on a Gab Morrison, on a Kunta Kinte. Il y a vraiment plusieurs personnes que moi personnellement je suis même avant que je sois sur YouTube, tu vois, je suivais et qui n'ont pas été pris en tant que jury ou même justement invité simplement à la cérémonie. Et ça pour le coup ça a fait polémique et il y a plein de médias qui se plaignent par rapport à ça. Personnellement j'en avais parlé en vidéo il n'y a pas longtemps et de voir ça justement dans l'émission, ça m'a fait grave plaisir et je tenais à les remercier directement en FaceTime en plus de ça. Donc vraiment merci à l'émission T'as capté et à Lamal Pistolero justement d'avoir parlé de moi, Kunta Kinte, et d'avoir justement précisé ça, tu vois. Moi, pour avoir été aux flammes, franchement, déjà, je les ai félicités parce que franchement, ils ont fait un travail incroyable. Oui. C'était bien en termes d'organisation, en termes de trucs, c'était top tout. Mais quand même, on va pas se mentir, en termes de, voilà, les votants, ceux qui doivent voter, etc., ils en ont oublié. Mais laisse tomber, ils ont oublié. Des gens comme, je donne un exemple, Kunta Kinte. Voilà, il y a Kunta Kinte, on aime ou on n'aime pas, mais les gens comme... Non, mais c'est vrai, non, mais Akarim, c'est vrai, tu vois, on aime ou on n'aime pas, mais des gens comme Kunta Kinte, ils contribuent quand même à cette industrie, tu vois ou pas le délire hein? Quel con, il en a mis contre. Non, c'est vrai. Mais voilà, il y a aussi Fico TV. Fico TV, fil d'actualité, on regarde YouTube, à chaque fois, on voit, il est toujours à l'affût, il fait il dit des choses pertinentes, intéressantes, et j'ai l'impression... Ça ne tient qu'à moi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'oubliés. Ensuite, ça, pour le coup, ça m'a vraiment fait rigoler. Je tenais vraiment à vous le partager. Il y a Nicki Minaj, justement, qui a partagé son micro à une fan pour qu'elle chante, justement, ses paroles. Sauf que, pour le coup, voilà, il y a une roue qui a crevé et elle a repris le micro. Et la façon dont elle a repris le micro, ça m'a vraiment flingué. Et puis, c'est en train de tourner un petit peu partout. Et vu que ça tourne un petit peu partout, je tenais à vous en parler. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Ensuite, ça fait plus de 5 ans que je déclare des choses sur lui, tu vois, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de personnes justement qui comprenaient pas, etc. Et là, justement, vous allez comprendre. Il y a justement AD Laurent qui fait le buzz sur TikTok avec ses vidéos, puisque je rappelle qu'il s'est lancé dans le PO, voilà, t'as capté le reste. Et en gros, il fait le buzz sur TikTok en prenant justement des meufs en live, etc. Et ces meufs-là finissent par faire des vidéos avec lui qui finit par vendre, quoi, tu vois, en fait. Bref, c'est tout un réseau qui est bizarre. Moi, ça, je l'avais déclaré en vidéo bien avant, puisqu'en gros, il faisait tour mineur pendant le confinement. Et ça, personnellement, j'étais pas d'accord avec ça, tu vois, et je l'avais déclaré en vidéo. Et c'était un truc qui date il y a 5 ans. Et là, en gros, aujourd'hui, 5 ans après, il est accusé de VIO par rapport à une meuf, justement, qu'il accuse. Et c'est une plainte qui date de 2018. Donc ouais, c'est vraiment un truc de fou. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu réagir par rapport à ça. Et ça en parle depuis hier. Et il y a également Booba qui a réagi par rapport à ça et il a laissé un message. En gros, on peut voir qu'il a dit... Voilà, c'est qu'une question de temps. Et c'est pas fini. Il va rejoindre Viol 94, monsieur le basketteur de Levallois. Et là, en gros, il fait référence à Jolf 94. Puisque je rappelle qu'il a été accusé de la même chose que AD.
Et voilà, et pour l'instant, tu vois, il n'y a pas de nouvelles par rapport à ça. Après, je rappelle que c'est simplement des accusations et pour l'instant, ben, il n'y a pas de nouvelles. Donc, il est simplement accusé, tu vois. Comment on dit ça? La présomption d'innocence. Donc, il y a peut-être moyen qu'il soit innocent. On ne sait pas, tu vois, pour l'instant. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme je dis, le contenu, justement, qu'il fait sur TikTok, alors que c'est pas un contenu qui est adapté à TikTok. Et justement, ben, il prend ses proies, on va dire, entre guillemets, sur TikTok et il finit par faire des vidéos avec, par les ventes, etc. Pour moi, c'est tout un contenu qui est vraiment sombre et j'arrive pas à comprendre ben, qu'il n'y ait rien eu bien avant quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe par rapport à ça, mais je tenais à réagir. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a Osiris Dire qui a réagi par rapport ben, à des youtubeurs qui se lancent dans le rap. Et si j'ai bien compris, ça fait référence à Théodore, puisqu'il l'a annoncé il y a quelques jours. Et là, en gros, il a laissé un message par rapport à ça. Et il y a une personne, justement, qui a fait référence à la vidéo de Théodore, Raska et puis justement de Zuku Mezi, qui fait partie du 6-7, tu vois. Et en gros, ben, il a fait référence par rapport à ça. Et Osiris Jack, il a répondu. Je tenais à en parler, puisque ben, c'est en train de tourner un petit peu partout. Il y a plein de personnes qui me l'ont envoyé. Donc, pour ceux, justement, ben, qui n'étaient pas au courant, regardez. En gros, on peut voir qu'Osiris Jack, il a dit « Les gens respectent pas la musique en France. Comment des youtubeurs, des twitchers peuvent rapper en toute légalité ? Putain. » Et une personne qui a dit « Chef, il a fait un feat avec ton pote quand même. » Et il a répondu « Chef, c'est moi ? Non. » Et là, en gros, ben, c'est le featuring que je vous ai dit de Zuku Mezi et Théodore. Et c'est pour ça qu'il a dit « Ben, c'est pas lui qui a fait le feat, quoi. » Et juste après, il a dit « Midi 30 sur PP. Imagine à 20h ce que je vais dire. Vas-y, c'est bon. Ciao, les amis. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et là, en gros, il est en train de dire quoi En gros, dès le matin, il dit ça. Donc, imagine à 20h bah, ce qu'il va dire quoi en fin de journée. Donc voilà l'équipe, c'est la réaction d'Osiris Jack par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous, vous pensez justement ben, des youtubeurs qui se lancent dans le rap, des streamers, etc. Est-ce que pour vous, justement, ben, le monde du rap ne doit pas se mélanger dans le monde du stream, dans le monde de YouTube et tout, tu vois? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est vrai que dernièrement, ben, le rap et YouTube, tout est mélangé et tout est ensemble. Il y a des vidéos qui sont faites avec les streamers et les rappeurs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites en collaboration entre le rap et puis ben, pas que le stream, tu vois? Vraiment plusieurs choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En bas y'a la peur en sachet, y'a des uns de ces débuts de leur fierté, elles s'achètent. J'oublie tout sous Cali, ça m'achète, je recompte le bénéfice qu'a rapporté la machin. Bah t'as rien les billets, il faut les faire. Tu te fais péter, il faut se taire. Sous rap t'as dans la tour, pour rien je fais des tours. Oh shit, j'me la tue, chitane me détourne. Donc voilà l'équipe, vas-y, tu sais quoi, on va la faire lentement pour cette fin de vidéo. Après plus de 2000 vidéos, il y a plein de personnes qui n'ont toujours pas compris cette phrase. Donc vas-y, tu sais quoi, je vais la faire lentement. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour le référencement. Puis voilà. Et mais vu que tu vois, il y a plein de personnes qui arrivaient pas à comprendre cette phrase là, ça fait presque 2000 vidéos, je tenais vraiment à le préciser. Et puis ben pour cette fin de vidéo, comme d'hab, je te dis à ce soir pour une nouvelle mini croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà, c'est la première fois que je le fais au ralenti. Et je crois que je vais avoir un arrêt si je fais trop de ralenti comme ça. Faut que je parle rapide en fait, c'est un truc de ouf. Bref l'équipe, peace le game. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une âme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais big tube dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot à l'appart qui zing-zing.